Bonjour, alors la vidéo du jour, elle va porter sur la formule secrète pour calculer son lestage. Donc écoutez bien, la formule secrète pour calculer son lestage, c'est donc votre masse volumique corporelle divisée par votre âge plus le volume du bloc pondéré par l'épaisseur de la combinaison. Donc vous l'avez compris, bien sûr, c'est une blague, puisque il est très difficile de donner une formule magique de calcul du lestage, tellement ça dépend de nombreux éléments. Et le premier, c'est de vous, de votre technique de plongée, de votre technique de ventilation. Donc, comment calculer son lestage? Eh bien, c'est assez simple. Il n'y a que l'expérience qui permet de le faire. L'expérience, hein, très simple à faire. Vous allez à l'eau. Vous vérifiez en dégonflant complètement votre combinaison, votre gilet, pardon, et sans palmer, en ventilant normalement, vous devez avoir de l'eau à mi-masque et en soufflant, vous devez commencer à disparaître. Ça, c'est le premier test en début de plongée, donc à faire quand vous vous immergez. Le deuxième test, bah, c'est bien simple, c'est en fin de plongée quand vous avez une bouteille qui est plus légère puisque l'air a été consommé. Et à ce moment-là, il suffit juste de voir si vous arrivez à tenir votre palier, si vous avez besoin d'air dans votre gilet, pardon, pour rester dans la zone des 3 à 6 mètres, c'est qu'il y a une erreur, c'est que vous portiez trop de lest. Okay? Donc, ensuite, la chose importante, c'est de comprendre que tout influence votre lestage. Dès que vous faites un changement d'équipement, si vous ajoutez des gants, si vous ajoutez un t-shirt en néoprène, ce qu'on appelle la souris, tout ça va jouer sur votre lestage. Ensuite, quel lestage il faut mettre? Il faut mettre le lestage qui vous permet de plonger confortable. Alors, souvent, l'erreur, c'est d'avoir une technique de descente qui n'est pas forcément parfaite, et donc pour descendre plus facilement, on se leste à mort, et ça permet vraiment de descendre confortablement. Hein. C'est super. Par contre, dès 3 à 6 mètres de fond, il faut commencer à gonfler son gilet pour pas couler. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle le surlestage, et c'est extrêmement dangereux hein, puisque ça veut dire que vous êtes obligé au fur et à mesure de la plongée de gonfler, gonfler le gilet. Vous perdez en hydrodynamisme, vous avez des difficultés à vous stabiliser, vous êtes obligé de palmer davantage, et donc c'est un facteur d'accidentologie puisque vous risquez l'essoufflement. Hein, donc, la meilleure façon de plonger, c'est avec le meilleur lestage, c'est-à-dire le minimum qui vous est nécessaire. Et pour ça, il s'agit de demander à votre moniteur hein, de vous donner des cours, des informations là-dessus, sur deux choses essentielles. C'est comment bien descendre. Hein, il n'y a pas de scrupule à demander un approfondissement là-dessus, parce qu'on voit des fois des gens qui sont niveau 2, niveau 3, voire plus, et qui ont encore des difficultés à descendre. Et ensuite, comment bien tenir son palier. Alors, quelques petites astuces pour ça. Pour descendre, donc déjà, poumons bien vides. Ensuite, avoir des gestes qui vont dans le sens de la descente. Donc pour ça, il y a plusieurs techniques. Il y a par exemple celle qu'on appelle la coulée expiratoire ou le phoque. J'inspire bien fort, je sors de l'eau en donnant une bonne impulsion sur les palmes. Et là, je dégonfle tout, poumon et gilet. Et surtout, derrière, je ne fais pas de mouvement de palmes qui me remonte vers le haut. Okay, donc on a cette technique-là. Autrement, on peut tout simplement bien souffler et en descendant, se laisser emporter par le poids du bloc et mettre les palmes vers le haut pour descendre. Ça peut être une bonne technique. Personnellement, c'est celle que j'utilise. Donc, ça, c'est souvent un des problèmes. Quand on descend, on a tendance à se faire embarquer en arrière quand on utilise un bloc acier. Et la tendance, c'est toujours de vouloir se redresser. Et en voulant se redresser, on fait des mouvements de palmes qui vont vers le haut. Et donc, la solution pour contrebalancer ça, c'est de mettre plein de plomb. Et c'est la mauvaise solution. Ensuite, pour tenir votre palier, pour tenir son palier, eh bien, déjà, il ne faut pas hyperventiler, hein, il faut bien respirer au palier, ça c'est évident, mais pas avec les poumons pleins. Hein. Je rappelle qu'une respiration en plongée, ça doit être un volume minimum confortable de vos poumons. Et ensuite, rappelez-vous que sur le dos, on est toujours un peu plus lourd. Pour le constater, il suffit de vous retourner pendant la plongée et vous allez tout de suite voir que vous allez avoir tendance à vous rapprocher du fond. Hein, donc ça, c'est anticipé. C'est pour ça, entre autres, qu'on ne fait jamais de retournement dans les grottes. Ou alors que quand on se retourne, on pense à gonfler un gilet. Et ensuite, quand on repasse sur le ventre, à le dégonfler pour avoir une flottabilité constante. Alors pourquoi on est plus lourd sur le dos? Bah, tout simplement parce que déjà votre gilet est un petit peu plus bas, un petit peu plus compressé, mais aussi il y a simplement le poids des viscères qui va évacuer l'air
que vous avez. Donc naturellement, faites le test, retournez-vous, forcément, vous allez descendre. Donc un palier, c'est pas mal de le faire sur le dos, ça présente cet avantage de pouvoir tenir son palier. Ensuite, deuxième avantage, c'est de pouvoir regarder vers le haut, et donc vers le haut c'est la surface, et donc de se rendre compte si elle se rapproche ou pas. Si elle se rapproche, il vous suffit alors de palmer en ayant les palmes orientées vers le haut, bien sûr. Voilà, c'est quelques petits trucs pour vous améliorer sur le lestage. Rappelez-vous aussi que tout nouvel équipement nécessite une vérification du lestage. Je recommande aussi, hein, comme bien sûr toute règle de sécurité, c'est de ne jamais plonger en plongée profonde avec un nouvel équipement. Toujours le tester au préalable. Si vous n'avez pas plongé depuis longtemps, et bien il y a un facteur stress qui vient influencer un peu, avec une ventilation qui s'emballe un petit peu, et donc plus de difficultés à descendre. Donc tout ça, c'est anticipé. Hein, et puis donc, je rappelle la règle de base, c'est quand je vais à l'eau, et ben je fais ce petit test, hein, en dégonflant mon gilet sans palmer, je dois avoir de l'eau à mi-masque, en soufflant, je dois commencer à disparaître, mais pas disparaître comme une pierre. Hein. Et puis surtout, en fin de plongée, vérifier que je n'ai pas besoin de mettre de l'air pour tenir mon palier. Autrement, ça veut dire que j'ai passé ma plongée à transporter du plomb pour rien. Hein. C'est un peu la philosophie de cette personne qui se promène en Afrique avec une grosse pierre sur la tête. On lui demande, mais pourquoi tu portes une grosse pierre sur la tête? Ben, c'est tout simplement parce que si un lion me court après, je n'ai qu'à poser la pierre pour aller plus vite. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur j'aime pas. Vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous à la chaîne YouTube Akodomiwa One. Et puis, si vous voulez voir des sujets abordés, n'hésitez pas à poster un petit mail, un petit coup de téléphone, un petit post sur Facebook. À bientôt.